Coucou, c'est Atanesia et on se retrouve cette semaine pour une vidéo édition très intéressante. On va parler du comité de lecture dans les maisons d'édition. Et on verra la semaine prochaine une vidéo spéciale, oui, avec une amoureuse d'échelle. En attendant, comité-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Comité de lecture? Eh oui, on a deux mots. D'abord, comité, une instance, un groupe de personnes, et lecture. Va donc lire. Envie de savoir s'il y a derrière le processus d'édition, il faut zioter le comité de lecture. Car oui, c'est très très important. Aussi important qu'une certaine ligne éditoriale, on va y revenir dans cette vidéo. Quand vous envoyez votre tapuscrit à une maison d'édition et qu'il passe le tri des mails. Le quoi? Le tri des mails. À savoir quelqu'un qui va vérifier que toutes les consignes d'envoi ont été respectées. Si par exemple la maison d'édition a demandé qu'on envoie un tapuscrit en PDF et que par exemple c'est un fichier Word, ça ne passera pas le tri des mails puisque la première consigne ne sera pas respectée. Idem si par exemple la maison d'édition demande du Times New Roman en taille 12 et qu'on se retrouve avec un texte en calibre 13. Bref, si votre tapuscrit passe le tri des mails, il sera envoyé au CL, soit comité de lecture. Alors je vous rappelle, si vous avez un petit peu de mal avec le vocabulaire, que ce soit en édition ou on va dire au niveau littéraire en général, hein, fiche justement le vocabulaire pour un petit peu s'y retrouver, car je parlerai souvent de CL, soit comité de lecture. Alors un comité de lecture composé de qui? De lecteurs, de lectrices, parfois des éditeurs et des éditrices, des directeurs et des directrices de collection, assez souvent. Et parfois même des auteurs et des autrices qui sont déjà publiés dans la maison d'édition, c'est-à-dire qu'un petit peu un bagage. Alors ça peut très bien être quelqu'un qui est là depuis 6 mois, comme quelqu'un qui est là depuis 10 ans. À quoi ça sert? Bon, j'ai une musique en tête avec le à quoi ça sert, mais passons. Le comité de lecture est là pour lire, décortiquer, analyser et sélectionner les ouvrages. On reçoit des tapuscrits. Alors, je veux dire format numérique, parce que alors, je sais qu'il y a encore des comités de lecture, il y a encore des maisons d'édition qui demandent du papier. C'est absolument pas écologique, et puis on parle depuis une minute. Hein. Mais je n'ai jamais été, on va dire, dans ces comités de lecture. Donc moi, j'ai toujours été dans des comités de lecture où on lisait en numérique. Mais je sais qu'il y en a, puisque je connais une amie qui en reçoit effectivement par la poste. Et oui, elle a un petit peu aussi relu ce script. Donc, on reçoit des tapuscrits, ok, et aussi également un cahier des charges. Alors, c'est pas vraiment un cahier, mais c'est une feuille d'évaluation, ou une fiche de lecture, ou en tout cas, on va dire, un fichier à part. Qui indique par exemple les orientations de la collection, ce que l'éditeur ou l'éditrice recherche, etc. À la fin de la lecture, on renvoie cette fiche. Et après, ben, ça va dépendre des maisons d'édition. Pour certaines, à cette étape-là, la vie en fait du tapuscrit est entre les mains du président ou de la présidente du comité de lecture. Et ou parfois des éditeurs. Et là, les membres du comité de lecture bah, ne font plus rien. Parfois, il y a des réunions pour discuter de l'ouvrage et pas forcément quand il y a égalité. Hein. Même par exemple, s'il y a 3 oui francs, on va dire oui d'accord, il y a 3 oui francs, mais pourquoi finalement? Est-ce qu'on le sélectionne ou pas? Donc il peut y avoir des débats, des tranchages. Oui, c'est un petit peu pour ça qu'il y a une maison d'édition qui m'a appelée la Etchou Best Littéraire, parce que pendant un certain temps sur le Discord, en fait, on m'appelait uniquement en fait, pour trancher au niveau des avis. Voilà. Il peut y avoir également aussi des repêchages. Oui, ça arrive. Quand par exemple, bah, c'était plutôt des oui mais, ou alors qu'il y avait même des non. Et finalement, avec le recul, on se dit, ah, il y a peut-être quand même un petit potentiel, il y a peut-être quelque chose, ça arrive. Et malheureusement aussi, beaucoup de déceptions, même pour le CL, oui. Alors ça, on en reparlera, mais si par exemple, pas mal de membres du CL ont eu un coup de cœur énorme pour un ouvrage, et que bah, malheureusement, l'éditeur nous renvoie, oui, mais on a déjà trop de sorties en fait cette année, on a d'autres qui sont prévues l'année prochaine, avec d'autres auteurs en fait, de la maison d'édition, donc on ne pourra pas publier cet ouvrage, sauf si l'auteur accepte de le publier d'ici 2024. Voilà, ça fait partie aussi des déceptions, c'est douloureux, c'est malheureux à dire, mais ça peut arriver. Ensuite, il faut retenir que la forme est importante. Beaucoup se concentrent sur le fond, c'est bien, mais ils oublient la forme, alors qu'une maison d'édition, je le rappelle et je le répète, est avant tout une entreprise. Ce n'est pas une œuvre de charité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème de la forme, et le problème aussi d'autres petites choses, c'est que l'entreprise en fait pense à la rémunération des correcteurs et des correctrices qui vont arriver derrière.
Et ça coûte cher parce que plus de temps il va y avoir pour la correction, plus il va falloir justement payer le correcteur et la correctrice. Et on n'oublie pas que plus il y a de boulot pour les correcteurs et les correctrices qui sont pas forcément hyper bien payés dans certaines IME, plus il faudra justement payer derrière. Imaginez s'il y a toute la MEPA à faire, 15 erreurs d'orthographe par page. Ben souvent en fait, des fois ça va peut-être même pas passer la phase de tri. Et oui, donc ça signifie que le CL ne lira pas l'ouvrage. Ça, on en reparlera. Mais parfois aussi, dans certaines IME, au moment de la phase de tri, on peut effectivement nous demander de lire les quelques premières pages. Et si par exemple, il y a tant de fautes à ces pages-là, en fait, on a l'obligation de dire non. C'est comme ça. Ah oui, et pour les 10, hein, tous ceux justement qui ont des soucis avec l'orthographe, j'en ai déjà parlé avec Mélanie Desforges dans la vidéo Top 10 des idées reçues sur l'édition. Et non, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnes justement qui ont des troubles 10, déjà, ils le précisent dans les mails d'envoi, hein, ça aussi c'est assez courant. Et ensuite, ils font de véritables efforts. C'est simple, tous les ouvrages en fait que j'ai déjà reçus, que ce soit au niveau des tri des mails ou au niveau des CL, quand justement c'était par des personnes 10, bah, il y avait moins de fautes que les autres parce que justement il faisait beaucoup plus attention. Bref, un roman sélectionné sera un roman qui respecte la ligne éditoriale de la maison d'édition mise en place et qui détient un potentiel éditorial. Et oui, la ligne éditoriale, limite, il faudrait que je fasse en fait une vidéo complète là-dessus, car parfois en fait certains ne comprennent pas ce qu'est la ligne éditoriale, mais attention, ça regroupe effectivement plusieurs choses. Déjà, ce que la maison d'édition à publier, ce que la maison d'édition peut vouloir publier, ce que la maison d'édition ne voudra jamais publier. Et parfois, il suffit en fait d'une phrase, d'un paragraphe en fait dans votre texte qui ne correspond pas à la ligne éditoriale, et ben ça ne passera pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais il suffirait de dire à l'auteur, etc., de modifier ce passage. Oui, alors le problème en fait, c'est que certaines maisons d'édition ne perdent pas de temps avec ça, tout simplement, bah, parce que le temps, c'est de l'argent. Je rappelle que ce sont des entreprises. Et en plus, au niveau des corrections éditoriales, l'auteur et l'autrice peuvent complètement refuser en fait les propositions. Si vous n'êtes pas obligé en fait d'accepter de modifier votre texte. Donc, il n'y a absolument aucune garantie pour la maison d'édition que vous allez collaborer. Très souvent, on préfère dire non, vous ne respectez pas la ligne éditoriale. Comment ça se passe réellement? Ça dépend des maisons d'édition. Oui, vous l'attendiez, le voilà. Toutes ont leur fonctionnement, la plupart fonctionnent avec une fiche de lecture, en tout cas effectivement dans celle dans laquelle j'ai travaillé. Pour une dans lesquelles je suis, il y a des cases à cocher avec parfois aussi des couleurs. C'est simple, plus on va vers le rouge, et eh bien moins vous allez avoir de chance d'être édité là-bas. Ouais, je sais, des fois c'est horrible, on a l'impression de se trouver avec des petites vignettes là, mais... Attention, je cite justement un mode de fonctionnement d'une maison d'édition. Si par exemple, sur les 10 premières pages, vous avez utilisé 15 fois le mot « mais », ce sera une croix dans la case « répétition ». Si vous abusez des verbes ternes et ou des adverbes, une autre croix. Au bout de 3 croix dans la catégorie « style », c'est éliminatoire. Et malheureusement, dans cette IME, en fait, on n'a pas accès en fait au reste du tapuscrit. On peut juste lire les 10 premières pages, c'est tout, et c'est anonymisé, donc... Voilà. Si c'est bon, et ben c'est nickel, on va dire on reçoit tout le reste du tapuscrit avec une autre petite fiche parce que là c'est un petit peu différent. Et si ben malheureusement c'est éliminé direct, ben en fait on n'a pas la suite. Et vous, auteur et autrice, vous allez recevoir une lettre de refus estimant eh bien, que le comité de lecture n'a pas apprécié votre ouvrage ou aussi parfois qu'il ne respecte pas la ligne éditoriale parce que certaines maisons d'édition estiment que si les 10 premières pages ne vont pas, je dis bien selon leurs critères hein, évidemment, c'est pas le fait que vous écriviez mal ou quoi que ce soit, c'est selon leurs critères. Et ben vous n'avez justement pas respecté ce que la maison d'édition voulait. Oui, c'est pour ça que je tenais énormément à ma vidéo sur l'abus de mail un fifiche. Ce n'était pas forcément si innocent de faire ça et j'espère vraiment que ça va en aider beaucoup d'entre vous. Alors sinon, c'est souvent les fifiches lecture avec une note, alors ça peut être sur 20 ou aussi sur 50. Un tapuscrit qui n'a pas la moyenne est très souvent éliminé déjà, et un tapuscrit qui a la moyenne peut être débattu très souvent d'ailleurs, ceux qui sont entre 10 et 12. Il y a souvent, on va dire, un débat qui arrive derrière, à savoir est-ce qu'on va plus tirer vers le 14 ou au contraire vers le 8. Un tapuscrit qui obtient 14 sur 20 ou plus sera analysé un peu plus en détail, souvent par le président ou la présidente du CL, voire par l'éditeur ou l'éditrice. Alors là, attention aussi, je vais parler expérience personnelle, les coups de cœur. Alors comment dire, dans une IME, en fait, où j'étais au comité de lecture, il y en avait vraiment beaucoup des coups de cœur, je trouvais même un petit peu trop. Finalement, en fait, pour tout. C'est simple, hein, il y a justement des membres du CL, ils avaient des coups de cœur pour absolument tous les ouvrages. Du coup, on ne s'en sortait plus, et le président du CL et moi-même, on est obligés de retrier derrière, puisqu'en réalité, non, il y a des choses qui n'allaient pas.
Mais c'est aussi un petit peu le problème quand il y a des lecteurs et des lectrices bénévoles qui parfois n'ont pas de bagage en édition, mais ça c'est un autre problème. Surtout qu'après on se fait un petit peu taper sur les doigts par l'éditeur ou l'éditrice, comme quoi il faut trancher plus durement, parce que s'il n'y a que 13 sorties par an, il n'y aura que 13 sorties par an, il n'y en aura pas 45. Bref, c'est un petit peu aussi le problème des fois des personnes qui aiment tout, et un petit peu on va dire comme dans des retours de BL qui vont dire « Ouais, c'est génial !» Ok, t'as lu 300 pages, tu me dis que c'est génial, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Voilà, voilà, voilà. Alors, je pense aussi que je peux le dire. Alors, dans un ciel où je suis, atteindre le 11 sur 20 est très très difficile parce qu'en fait, les personnes du comité de lecture sont vraiment mais triées sur le volet. Et je peux vous dire que quand il y a un ouvrage en fait qui arrive à avoir 11 sur 20, limite en fait, j'ai envie de mettre un petit smiley qui applaudit parce que je dis ah ouais, donc là ça doit quand même être du lourd, hein, question ouvrage, parce que personnellement, j'aurais certainement mis 16 ou 17. Mais oui, parfois je vois du potentiel et parfois d'autres personnes justement ne le voient pas, ça va dépendre effectivement des gens. Alors, continuons. Je l'ai déjà dit en fait dans une vidéo comment réagir à une lettre de refus, mais ne le prenez pas à titre personnel. Malgré la qualité de votre manuscrit, notre comité de lecture ne l'a pas retenu. Et pourquoi ces maisons d'édition envoient ça? Eh bien, tout simplement pour se prémunir contre l'agressivité des auteurs et des autrices. Alors, j'ai glané ça sur plume d'encre, mais c'est malheureusement vrai. Envoyer une fois des mails avec une fiche lecture pour expliquer le refus à des auteurs et des autrices. Vous voulez rire? Je me suis ramassée des insultes quand c'est moi justement qui a envoyé ça. C'est un petit peu déstabilisant en fait. Alors évidemment personne ne savait que c'était moi hein, parce que c'est derrière le mail de la maison d'édition, c'est la boîte mail de la maison d'édition. Ça fait mal. Hein. Alors je me permets de citer ce qu'il y a sur Plume d'encre. Oui, il n'est pas rare de se faire harceler, insulter ou dénigrer sur le web juste parce qu'on a eu le malheur de dire que le manuscrit était incohérent avec des fautes d'un autre monde. Fin de citation. C'est arrivé, alors c'est parti pour la petite expérience personnelle. Alors j'ai renvoyé justement à un moment une fiche lecture. C'était un 7 sur 20 à un auteur qui débutait, hein, c'était son premier roman. Alors je vous partage la conclusion. Alors j'ai fait exprès, on va dire, de masquer quelques petits trucs pour que normalement personne ne sache de quoi il s'agit. Pour conclure, l'avis est défavorable. Nous vous conseillons de suivre les pistes émises au-dessus, traquer les incohérences liées à votre univers. Là, j'ai fait exprès de marquer. Alors, juste par exemple, il y avait l'idée, au tout début de son ouvrage, qu'un magicien avait juste à claquer des doigts pour se téléporter et pour réaliser d'autres sorts, parce qu'il avait des facilités pour apprendre. Sauf qu'après, c'est dit qu'il lui faut une baguette, parce que justement, en fait, il n'a aucune facilité pour apprendre ses sorts et qu'il lui faut justement un objet. Et vers la fin, il agite son nez, sans explication, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, je continue. Vos personnages changent de nom, Z a une famille au début, des frères et sœurs, puis vous dites à la page qu'elle est fille unique, et plus loin, je cite, cette pauvre orpheline rentrait seule au foyer. Alors que le protagoniste a rencontré la mère de Z deux pages auparavant. Bon, après, il y a du blabla, je passe. Vous dites dans votre prologue que l'histoire se passe à Y, alors que tout le récit, alors je précise, c'est un OS, il ne s'agit pas d'une saga où, par exemple, on aurait des réponses dans le tome 2. Non, c'est un OS. Se déroule à A. Alors, est-ce que c'est Y ou A? Bon, alors je passe parce qu'il y a d'autres pistes d'amélioration, hein, comme affirmer son style, justement. On ne vous demande pas de changer votre style, il faut l'affirmer, votre style. Alors, il y a aussi, ouais, éviter les phrases similaires, etc. Moi aussi, depuis peu de temps, je commence aussi à en parler au niveau de mes chroniques et au niveau des auteurs et des autrices, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en comité de lecture. Mais c'est vrai que quand vos enchaînements, en fait, sont similaires, à savoir les enchaînements similaires, j'en ai d'ailleurs parlé dans un module qui est sur la boutique, mais c'est quand, par exemple, vous allez dire sujet, verbe, complément, et après une autre phrase, sujet, verbe, complément, et que, en fait, ça s'enchaîne comme ça tout le long du récit. Sujet, verbe, complément, tiens, un complément un peu plus long, sujet, verbe, complément, bon. Bon, et je finis, vous avez des idées et une histoire originale qu'il faudrait développer. Cet OS pourrait être publié seul ou divisé en deux tomes dans le but, pourquoi pas, de l'étoffer. C'était quand même assez constructif, hein, surtout qu'on avait quand même fait l'effort aussi d'envoyer une fiche. Il y avait des exemples, des choses. Bon, je vais vous passer les injures du début, mais ça fait toujours plaisir quand on envoie justement un mail assez chaleureux. Je sais que je n'avais pas forcément le droit de signer avec mon nom, ni de mettre des smileys ou des cœurs, mais oui, c'est un mail informel, on va dire ça comme ça. J'ai quand même reçu « Vous n'êtes pas assez intelligent pour dénicher mon talent, allez vous faire voir ». Voilà, voilà, voilà. Ça fait plaisir. Non. Apparemment, du coup, alors l'éditeur, en fait, n'était pas assez intelligent. Alors déjà, c'est pas l'éditeur qui a reçu ce mail. Et apparemment, d'accord, on n'arrive pas justement à dénicher son talent. Alors déjà, j'ai beaucoup de mal avec le mot talent. Il y en a parfois qui ont peut-être des facilités, mais aussi beaucoup de travail derrière. Mais comment dire, voilà. Vous pensez que c'est isolé? Non. C'est ça le problème, en fait. C'est pas du tout isolé. À force, en fait, cette maison d'édition, que je vois, ça fait à peu près maintenant 6 mois, ben, décider en fait de ne plus envoyer les fiches lecture. Voilà, parce qu'en fait, au bout d'un moment,
moi et d'autres personnes aussi, on en avait un petit peu marre de recevoir des choses comme ça par mail, parce que ça ne fait pas plaisir, parce qu'on passe énormément en fait de temps à décortiquer l'ouvrage et en plus à remplir la fifiche pour améliorer en fait le travail des auteurs et des autrices, on nous rebalance ça. Ah, et par rapport justement au merci et justement aux réponses positives, non, justement, ça ne compensait pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on envoyait des fiches lecture qui étaient plutôt assez positives, même des fois qui pouvaient entraîner un oui hein, et un contrat, non, des fois, il n'y avait même pas de merci. On n'avait pas de réponse à nos mails. Voilà, ce serait bien aussi de temps en temps de remercier les personnes et de dire bah, merci quand même de m'avoir lu et d'avoir passé du temps, ce n'est pas grave. Donc voilà, cette maison d'édition a décidé de revenir à l'idée du mail bateau. Et aussi, je trouve qu'on ne parle pas assez du harcèlement que les auteurs et l'autrice peuvent faire, que ce soit sur le comité de lecture ou aussi sur les maisons d'édition. Alors, il y a eu le coup de parce qu'on ne lit pas assez vite. Alors, il faudra aussi qu'on m'explique, parce que alors, un coup, c'est les maisons d'édition, ça expédie absolument trop, les comités de lecture, ils expédient, ils lisent en diagonale, blablabla. Mais de l'autre côté, si jamais on prend notre temps, et si jamais justement on prend le temps de décortiquer et de critiquer l'ouvrage, on est dit qu'on va pas assez vite. Oui, j'ai déjà justement reçu un mail de relance, à peine un mois après que la personne ait reçu le mail de confirmation, comme quoi c'était au niveau du comité de lecture, en mode, bon alors, vous avez lu mon manuscrit ou pas, histoire que je sache si j'ai un contrat avec vous. Laissez-nous un petit peu le temps, vous n'êtes pas seul en fait hein, dans ce monde. Surtout rassurer un auteur une fois, pourquoi pas. Le souci, c'est que je n'ai pas accès, à, par exemple pour une maison d'édition, à la boîte mail tout le temps et à toutes les heures en fait. C'est-à-dire que parfois, ce sont d'autres personnes que moi qui s'en chargent, des personnes qui sont un petit peu moins patientes. Après, je dis pas que c'est bien hein, le mail bateau, je dis pas ça, mais en fait il y a des maisons d'édition qui n'ont pas le temps de toute manière de tout dire, qui n'ont pas le temps aussi de tenir une conversation. Vous imaginez pas, mais des fois dans des grandes maisons d'édition, quand on peut envoyer justement les mails avec malheureusement des refus, on en envoie mais beaucoup par jour, on n'a pas le temps de se poser avec l'auteur ou avec l'autrice pour discuter. En revanche, rien n'empêche de passer par exemple sur les réseaux. Il y en a parfois ben, qui m'envoient leur début de leur tapuscrit, quelques premières pages, et des fois je les éclaire un peu. Ça, oui, c'est possible. Mais par pitié, quand quelqu'un en fait fait l'effort de vous aider, de vous donner des pistes, peu importe hein, que vous les suiviez ou pas plus tard, hein, ça c'est pas forcément important, dites juste « d'accord, j'en ai pris note, peu importe, merci, au revoir ». Alors, je me repermets de citer Plume d'encre là-dessus. En moyenne, les grandes maisons d'édition reçoivent une centaine de manuscrits par jour. Par jour. Il est impossible pour l'éditeur ou parfois les éditeurs de pouvoir tout lire entièrement. C'est donc là qu'interviennent les lecteurs pour faire un premier écrémage des vagues d'envoi. Ils font le tri entre ceux qui méritent de l'attention et ceux qui méritent une réécriture. Mais c'est l'avis de l'éditeur que je veux. Alors, oui. Et non, les lecteurs sont la clientèle des éditeurs. Si votre œuvre ne plaît pas, ils ne prendront pas le risque d'engager énormément de frais pour un roman qui ne dépassera pas les 100 ventes. Comme toute entreprise, ils ont besoin de faire des bénéfices. Des bénéfices. Oui, je me redis parce que beaucoup oublient ça en fait. Alors non, une révélation incroyable qui arrive à telle page, ben en fait on la lira pas si votre début nécessite une grande réécriture, voire une correction poussée. Je l'ai déjà dit, soignez votre début. À savoir, recommandations ou candidatures spontanées. Alors, ça dépend. Parfois, il faut des recommandations pour entrer, on va dire, au CL dans une maison d'édition. Parfois, c'est sur simple candidature, spontanée ou pas. Vous allez peut-être voir des fois sur les réseaux sociaux, notre comité de lecture ouvre ses portes, qui justement a envie de nous rejoindre, c'est possible. Vous avez aussi le « On recherche des lecteurs et des lectrices pour notre comité de lecture, rejoignez-nous !» Il faut donc, comme d'habitude et comme je le dis à chaque fois, être attentif et suivre effectivement les actualités des maisons d'édition. Rémunération. Ah, le sujet qui fâche. Ça, j'aime bien aussi quand on me dit « Ah là, mais ce que tu fais dans les CL, dans les maisons d'édition, tu dois forcément être riche !» Nope. Alors, c'est simple. À l'heure actuelle, la plupart, on va dire, des comités de lecture fonctionnent en bénévolat. Voilà, bénévolat. C'est-à-dire que non, on va passer des heures sur votre tapisserie, on va même remplir une fiche lecture, on va aussi peut-être parler un petit peu avec vous par mail, on ne sera pas payé. Voilà. C'est ça, il n'y a rien en fait, je ne touche absolument rien. Alors oui, ça va peut-être changer, puisque peut-être qu'il y a d'autres maisons d'édition qui vont arriver dans le paysage, qui pour le coup vont rémunérer ses lecteurs et ses lectrices,
ça à voir. En tout cas, je suis complètement ouverte là-dessus. Ah, et puis alors, parfois quand les gens me disent « Ouais, mais t'as forcément une petite compensation. » Une compensation. Alors non, très souvent, on ne reçoit pas l'ouvrage après les corrections éditoriales. Non. Des fois, on a une petite réduction sur les ouvrages ou sur le catalogue de la maison d'édition. Parfois aussi, à la fin de l'année, on a le droit ultime de choisir un titre dans le catalogue des e-books. Ah, voilà! Vous avez bossé toute l'année, parfois même 8 heures par jour sur une semaine pour certains tapuscrits, et voilà ce que vous recevez. Qualité demandée! Aimer lire, lire vite et de manière efficace. Savoir critiquer et argumenter rapidement sont aussi des qualités qu'on demande. C'est-à-dire, on va parfois vous soumettre, comme je l'ai dit, uniquement les 10 premières pages. Est-ce que vous allez réussir à trouver du potentiel ou pas? Il faut aussi avoir des qualités diplomate et de négociation. Tout simplement parce que si vous avez un coup de cœur, alors à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas, vous allez avoir envie de défendre l'ouvrage lors de la réunion sur Discord, car vous savez que les autres, par exemple, ont peut-être moins aimé, il va falloir vous préparer. C'est là que vos talents en négoce vont devenir indispensables. Alors l'une de mes relectrices de ce script m'a ajouté « Pour faire partie d'un CL, il faut que la personne sache lire, non pas dans le sens A plus B égale BA, mais dans celui de comprendre le texte, l'analyser et répondre objectivement aux questions du fichier. Certaines ME font faire des tests de lecture pour cela avant de les recruter. » Alors je puis sois complètement, j'ai eu le droit à un petit test de lecture dans une maison d'édition. C'était marrant parce que c'était un ouvrage à lire, j'avais exactement une journée pour le lire et pour remplir une fiche. Vous savez, c'était type analyse de l'ouvrage, compréhension du texte. Alors moi qui toujours me détestais ça en cours de français, j'étais ah. Mais finalement, j'y suis arrivée. Je me suis demandé d'ailleurs comment j'avais fait, parce que j'avais pas d'excellentes notes en français. Et que je n'ai pas fait d'études littéraires, hein, voilà. Mais effectivement, ça peut être le cas. Et parfois, malheureusement, c'est absolument pas le cas. Parfois, il y a des maisons d'édition qui vont prendre n'importe quel lecteur ou lectrice qui a du temps. Bon, voilà, après, chacun, justement, sa façon de faire. Temps retour. Bah, ça va dépendre, encore une fois, de sa maison d'édition, sa taille, et aussi la taille du comité de lecture. Parce que forcément, plus on est nombreux dans le comité de lecture, c'est pas pour ça que ça va aller plus vite, parce qu'on peut être plusieurs, en fait, sur le même tapuscrit. Alors, comptez généralement entre 2 et 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 12 mois, voire 18 mois pour certaines maisons d'édition, pour avoir, justement, un retour. Ouais, il faut vraiment être patient. Ensuite, pour les retours, oui, certains sont bateaux, certains non. Il n'y a pas d'obligation, en fait, pour la maison d'édition de vous dire pourquoi ils vous refusent. Et j'ai envie de dire, quand il y a certaines conversations sur les réseaux sociaux qui disent « Ah là là, mais les maisons d'édition devraient forcément justifier leur non », alors là, ça veut dire que certaines grandes maisons d'édition ne mettraient pas 18 ou 18 mois à vous répondre, mais 5 ans. Car je rappelle, il y en a qui reçoivent une centaine de tapuscrits par jour. C'est juste énorme, vous n'imaginez même pas. Alors s'il va falloir justifier son refus à chaque fois, il est vrai que certaines maisons d'édition ne pourraient plus en fait fonctionner, ça n'irait plus. Et si vous avez une fifiche ou que par exemple ils acceptent de faire une synthèse, hein, ça peut être le cas, très bien justement, prenez le temps de regarder. Mon manuscrit n'a pas été retenu à cause de la mise en forme, je trouve ça débile, l'histoire devrait être plus importante. Ah ouais, on voit souvent ça sur les RS ou sur certains blogs. Mais en fait, je pense que les personnes qui écrivent ça ne savent pas comment se déroule le processus d'édition et oublient ce que c'est qu'une maison d'édition. Ils ont peut-être aussi le terme maison qui se dit peut-être c'est un foyer, c'est chaleureux, tout est mignon. Non, pas forcément. Si vous postulez dans une entreprise demain qui réclame que vous portiez des charlottes sur la tête, mesure d'hygiène sur l'offre d'emploi, sur les 10 candidats, il y en a 9 qui en portent une, vous pensez vraiment que le recruteur va s'amuser à répéter au dernier pourquoi c'est important et pourquoi il va le refuser? Et spoiler, non. Pourquoi? Parce que c'est indiqué en fait dans la base. Si justement sur le poste c'est marqué « porter une charlotte pour mesure d'hygiène », la personne qui ne vient pas, bah non, l'entreprise en fait ne va pas s'amuser à chercher le pourquoi du comment. Alors il y a peut-être des raisons valables, hein, mais en fait c'est pas le propos. C'est juste, vous êtes venu, le problème c'est qu'il y a 9 candidats à côté qui eux ont respecté les règles, pas vous. Oui, c'est un exemple complètement random et c'est un petit peu schématique, mais c'est pour expliquer. Dans les consignes d'envoi, quand c'est marqué Times 12, interligne simple, pas de puces pour les dialogues, et si vous envoyez un texte sans tirer quadratin avec des puces en calibri 11, oui, ça sent un petit peu le vécu, en fait, évidemment que vous ne serez pas lu. C'est-à-dire qu'en fait, même moi, si je dis justement à l'éditrice, parce que oui, voilà, j'ai reçu ça, qu'est-ce que je fais? En fait, l'éditrice, elle va dire, non mais tu rigoles, bah tu lui envoies une lettre de refus, blablabla, dans tel dossier, etc., et tu passes au suivant. Next! Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Pourquoi?
Bah, parce qu'un éditeur, en fait, c'est comme un chef d'entreprise. Il va recruter quelqu'un. Je rappelle, on parle de contrat d'édition, un contrat. Et il va recruter quelqu'un avec qui il peut et veut travailler. C'est pour ça, justement, que j'aime bien l'image avec l'entreprise. Quelqu'un qui va apporter de la valeur à son entreprise. Quelqu'un qui se fiche des consignes, vous pensez qu'il aura vraiment envie de travailler avec vous? Il va dire, ah bah non, j'ai pas envie d'avoir un mouton noir dans ma maison d'édition, ça peut peut-être en plus foutre le bordel, etc. Non, pas envie. Et n'allez pas me dire, oh mais ça va, la mise en page et tout, hein, ça prend 2 secondes à faire et à changer, oh ça va quoi. Alors, non. D'une, en fait on n'a pas que ça à faire. On revient justement des fois aux critiques, ah là là, mais les maisons d'édition elles vont pas assez vite, franchement c'est trop long. Ah bah faut savoir aussi. De deux, en fait, on n'a pas le droit de modifier votre texte avant la signature d'un contrat. Voilà, c'est comme ça en fait. On n'a pas le droit d'y toucher. Et vous imaginez en fait si un jour on faisait ça? Ah là là, les éditeurs, ils modifient notre texte maintenant. Non, effectivement, ça ne se fait pas en fait. Il n'y a pas encore eu de contrat, donc on ne peut pas encore travailler avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une petite fiche à part. Si justement on a des remarques à faire, on ne va pas les faire directement sur le texte, c'est évident. Il y a des ME qui vont commencer à le mettre en marge, mais qui ne vont jamais toucher au texte en fait, c'est le vôtre. Et après, si vous n'êtes pas d'accord justement avec ça, mais créez votre maison d'édition. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal justement qui le font et je les encourage à le faire. Comme ça justement, vous allez avoir vos propres méthodes et aussi votre propre manière de sélectionner. Pour la petite anecdote, parce que oui, j'ai justement une petite anecdote et celle-là, j'ai trouvé pas mal. Je connais quelqu'un qui, à force en fait de refus, et souvent de refus bateau, hein, en fait, a créé sa maison d'édition. Donc c'était un auteur du coup, qui s'est auto-édité, mais qui a créé sa maison d'édition, donc avec un logo de maison d'édition, etc. Il a refusé de mettre des consignes claires. Ah voilà, bon, il était seul. Il a lâché l'affaire. Au bout d'un an, enfin je crois qu'il a même pas fait un an, si je me souviens bien, il a dû faire 8 ou 10 mois. D'une, pour la charge de travail. Ouais, parce qu'il pensait pas justement qu'il allait avoir une énorme charge de travail en disant « Allez-y, vous pouvez m'envoyer justement vos manuscrits, aucun problème, je les sélectionnerai et tout ça. » Voilà. En fait, de deux, il s'est aperçu que certes, il recevait des tapuscrits avec une mise en forme assez correcte, hein, classique, mais aussi beaucoup de tapuscrits que je qualifierais, pour en avoir vu deux, de « What the fuck ?» Voilà. Et là, en fait, il m'a dit « Non, mais j'y perds trop de temps à modifier ça, next, non, mais je le lis pas, de toute façon, c'est trop moche à lire, allez hop !» Imaginez mon sourire derrière l'écran à ce moment-là. Ah, imaginez, parce que alors, je n'oublie rien, et je savais très bien ce qu'il m'avait dit il y a 2 ans, quand justement, il avait envoyé son manuscrit en mode « What the fuck ?», sans justement faire gaffe à la mise en forme, etc., et qu'une semaine plus tard, il avait justement reçu une lettre de refus. Alors, je veux pas dire que je suis machiavélique, méchante ou quoi que ce soit, j'ai plutôt tendance à dire « C'est le karma !» Ben, au moins, comme ça, il a compris, en fait. Oui, il a compris que malheureusement, en fait, sans consigne, ben, ça peut aller, justement, en mode what the fuck, et ben, qu'on n'a pas forcément le temps, en fait. Surtout quand, justement, il y a une entreprise, en fait, à faire tourner derrière. Parce que, désolé, mais si vous perdez du temps, justement, à remettre tout ça en forme, mais que, finalement, ben, vous n'allez peut-être même pas proposer un contrat à cet auteur, ben, vous allez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps. Bon, après, je dis ça, mais je crois pas, en fait, qu'il s'est remis en question. Bah, tant pis, hein, il débutait. Même si, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un screen un petit peu avant en fait que la maison d'édition ferme, c'était l'onglet justement soumission de manuscrit, et il avait commencé en fait à édicter des règles. Voilà, donc en fait quand il y a des règles, ben c'est normal, et il faut les suivre. Et si par exemple vous avez des problèmes ou que vous ne savez pas par exemple ce que cela signifie, ça peut arriver, n'hésitez pas justement à demander à des personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même aussi à moi. Un CL est parfait! Et non! Non, et encore non, un CL n'est pas parfait. Oui, parfois il y a des bénévoles qui n'en ont rien à fiche, trop de vous. Ouais, faut dire, ils sont bénévoles, hein. C'est pas comme s'ils avaient un contrat de travail qui les lie. On a juste envie de dire une petite charte de discrétion, de confiance, et c'est tout. Ensuite, eh ben oui, il y a parfois des membres qui ont des préférences, ou ben, si le fichier, on va dire, est anonymisé, ben, qui cherchent à savoir à travers le style qui c'est. Ça, c'est pénible. Ah là là, je suis sûre que c'est X. Je vais pas la lire en fait, parce que X, je l'aime pas. Ah, ça, je reconnais le style d'écriture d'Y. Ah ouais, ça, j'adore. Non mais je vais super bien le noter. Attends, je m'en fous, hein, c'est pas grave si je lis pas tout, hein, de toute manière. Quelqu'un a un sac à vomi? Comment ça, tu l'as mis sur la tête d'un homme politique? Bref, non, un CL n'est pas parfait, malheureusement. Et l'éditeur, l'éditrice, ben, s'en remet à lui. Dans de très rares cas, il ou elle peut intervenir ou peut-être même faire partie du CL et arbitrer justement tout ça. Et parfois, non.
Et bien sûr, je glisse ça comme ça, mais si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus au niveau des comités de lecture, je me ferai un grand plaisir de vous répondre, mais en message privé cette fois. Et non, je ne suis pas du tout pour critiquer, injurier et insulter justement les maisons d'édition. Alors ça, c'est niette en fait avec moi. Non pas parce que je n'ai pas forcément envie de drama et quoi que ce soit, mais parce que ça n'avance pas en fait. Ça n'avance à rien, ça ne mène à rien en fait. En bref, le comité de lecture est essentiel à la maison d'édition, puisqu'il va trier et sélectionner les ouvrages qui seront probablement publiés. Je dis probablement parce que l'auteur et l'autrice peuvent très bien refuser le contrat et aller par exemple ailleurs ou aussi décider de s'auto-éditer. Tout est possible. Et oui, je le rappelle, lisez bien le contrat. Ce n'est pas parce que justement vous recevez un premier contrat et ça y est, tadam, il faut signer. Nope. Lisez bien les contrats. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les conditions FIFI. Composés souvent de bénévoles, d'auteurs, d'autrices, de l'AME, de lecteurs et de lectrices, ils sont là pour déceler le potentiel d'un ouvrage. Selon la ligne éditoriale de la maison d'édition, s'il y a des athées ou pas en ce moment, le barème, par exemple, qu'on nous soumet peut être différent. Je vais prendre un exemple, mais complètement random et inventé, hein, pour le coup, même s'il y a un petit peu un fond de vérité. Mais certaines maisons d'édition peuvent être plus tolérantes sur l'orthographe, le style. S'il y a un athée romance de Noël qu'il faut vraiment justement remplir avec pas mal de textes ou alors qu'il faut sortir une anthologie, et bien là le barème sera un peu plus léger pour que beaucoup plus de personnes puissent rentrer. Et oui, vous avez beau avoir un coup de cœur pour une histoire si vous êtes membre du CL. Si une histoire similaire a déjà été publiée dans cette maison d'édition, l'éditeur ou l'éditrice en fait ben, risque de dire non, même si le texte est très bien, même si c'est vraiment mais génialissime. Non, ça sent pas vraiment le vécu, c'était pas vraiment un coup de cœur, mais disons que c'était une histoire que j'appréciais vraiment. Là, malheureusement, bah, il va dire manque d'originalité, donc on va lui renvoyer une petite lettre de refus parce que ça ressemble trop à ce qu'on a déjà publié 2 ans. Voilà. Ouais, c'est triste. Lire prend du temps, un peu de patience. Votre tapuscrit envoyé le 1er janvier ne sera pas lu avant le 1er mars, voire plus tard. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas seul en fait. Il faut encore une fois le rappeler, mais vous n'êtes pas la seule personne qui avait envoyé un tapuscrit justement à cette maison d'édition. Inutile de rappeler hein, combien de tapuscrits Gallimard avait reçu par exemple post-confinement. Hein, et je vous rappelle aussi quand même que les bénévoles ont des vies, très souvent des boulots à côté, des choses à faire. Avant, je consacrais facile 3 ou 4 jours par semaine au niveau des comités de lecture. Et même malgré ça, si moi justement je consacre tout ce temps, c'est pas pour autant que les 2 ou les 3 personnes qui doivent lire le même tapisserie que moi vont le lire aussi vite. Pas du tout. La plupart des personnes mettent 3 semaines ou 1 mois pour lire un ouvrage. Donc autant vous dire que ça prend du temps. Mettez toutes les chances de votre côté. Soignez la mise en forme, vos premières pages. Prenez aussi des bêta lecteurs et lectrices. Please, please, please. Parce qu'alors très souvent, malheureusement, on nous envoie un premier jet et ça, on le repère tout de suite. Non, n'envoyez pas de premier jet. Et faites au moins un check juste orthographe, grammaire, avec un logiciel de traitement de texte. Juste, ça c'est juste le plus simple possible. Et des fois, il y a des fautes même au niveau du présent de l'indicatif qui sont soulignées sur un traitement de texte. Et si par exemple, vous avez Antidote ou alors Répétiteur ou d'autres logiciels, n'hésitez pas à les utiliser non pas pour faire une correction drastique, etc. Mais au moins pour les répétitions, ça peut être utile, ou pour les verbes termes aussi. Ah, et pour l'harmonisation, parce que si par exemple vous choisissez l'orthographe rectifiée de 1990, c'est votre choix, et bien il faudra que tout votre texte soit sur l'orthographe rectifiée de 1990. Si au contraire vous préférez l'orthographe traditionnelle, et bien mettez tout le long l'orthographe traditionnelle. N'injuriez, n'insultez personne en cas de refus. Ça peut aussi être le cas si jamais c'est un oui, mais bon, c'est arrivé qu'une fois et c'était pas auprès de moi en plus, donc on va dire en cas de refus. Vous avez le droit de trouver ça injuste, ça, oui, je vous comprends. De trouver que votre tapuscrit méritait mieux ou un meilleur traitement, d'accord. Mais rares sont les candidats, on va dire, à l'emploi qui envoient un seul CV à une entreprise et qui sont pris direct. Non, surtout pas en ce moment où c'est complètement la galère. Et bien c'est exactement pareil pour une maison d'édition. Restez zen, prenez du recul. Même si on vous renvoie une réponse bateau, c'est pas grave. Une de mes relectrices m'a témoigné un fait, regrettable bien sûr, mais il faut quand même le répéter, une ME est une entreprise. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Et peut-être qu'avec une autre ME, donc une autre entreprise, ça ira mieux. J'ai personnellement déjà essuyé hein, des refus de maisons d'édition, des retours positifs, et parfois des retours positifs de maisons d'édition bah, qui m'avaient refusé précédemment pour un autre ouvrage, hein, bien sûr. Voilà, tout peut arriver.
Alors, parce qu'il y en a un qui ne rentrait pas dans la ligne éditoriale et l'autre aussi. Et en fait, après, avec le recul, je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y a certaines choses, on va dire, dans mon histoire et dans l'univers, ben, qui ne rentraient pas forcément, on va dire, dans les valeurs de la maison d'édition. Alors oui, on en reparlera peut-être un autre moment, mais voilà, ça peut arriver. Et pour autant, eh ben, je ne me suis pas démoralisée, j'ai envoyé un autre ouvrage, et ben là, pour le coup, c'était bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu et un petit peu aussi renseigné sur ce qu'étaient les comités de lecture. N'hésitez pas aussi à regarder la description avec toutes les sources que je vous mets à chaque fois sous les vidéos. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo spéciale où on va parler un petit peu de com avec des chèvres. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de commenter et pourquoi pas aussi de partager cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Utip. Le lien est dans la description comme toujours. Et vous pourrez aussi parcourir notre boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.